Bonjour à tous et à toutes, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. J'ai été à Nos ce matin et c'était génial parce qu'il n'y avait personne. Donc j'ai vraiment pris mon temps, voilà, j'ai pu regarder un peu tout ce qu'il y avait comme d'habitude. Et bon, j'ai pas trop traqué mon slip aujourd'hui, ce qui est normal puisque maintenant je prends que ce dont j'ai besoin ou ce que je n'ai pas puisque j'ai tellement squatté chez Nos que j'ai beaucoup de choses de chez eux et on revoit souvent les mêmes produits en fait en fin de compte. Bon, voilà. Donc en alimentaire, comme vous pouvez le voir, j'ai pris des boissons. Donc j'ai trouvé ces petites boissons à la pomme pour les filles, voilà, pour les enfants. C'était à 2 euros, donc vraiment pas cher. Et il y en a beaucoup plusieurs à l'intérieur. Alors je ne sais pas du tout combien il y en a à l'intérieur. C'est pas marqué, mais il y en a plusieurs. Même, le paquet est même plus lourd qu'habituellement. J'ai pris donc ces petites sauce pour tacos à 69 centimes, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas cher. Et il y a la green pepper dip et la salsa dip. 69 centimes, franchement, c'est hyper intéressant. Vous avez également cette boisson, lemon fresh. C'est un peu comme du mojito en fait, puisque c'est lemon et menthol, enfin la menthe. Mint drink. Donc c'est genre le Sprite Mojito, quoi, le 7-Up Mojito. Une crème beurre de cacahuète à tartiner à 1,49€, vraiment pas cher. Et c'est même pas... c'est au spéculoos en fait. Crème spéculoos. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai pris, je me rappelle, parce que c'était de la spéculoos. Et j'adore ça moi, le spéculoos, donc c'est là. Des sauces tomates pour les pâtes à 69 centimes, voilà, ça c'est sauce tomate et aubergine grillée, sauce tomate et aubergine grillée, 69 centimes, franchement c'est rien du tout. Et vous aviez également cette sauce qui est un petit peu plus chère mais qui est beaucoup plus grande, voilà, et c'est mushroom et garlic, voilà, à goûter en fait, c'est juste pour tester, 1,99€, voilà, et c'est fabrication artisanale, voilà, et ça c'est sympa, quand c'est des fabrications comme ça, j'aime beaucoup. Une huile d'olive, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Moi, je suis Miss Olive, j'achète tout en huile d'olive quand je vais chez Nos. La dernière fois, c'est une petite bouteille, et là, c'est une grande bouteille, au même prix que la dernière fois d'ailleurs. 2,29€, je viens de m'en rendre compte. Très intéressant, huile vierge, voilà. Des slices d'orange, voilà, c'est plus facile que d'acheter des oranges et de les couper. On a beaucoup la flemme, et voilà, ça nous force à manger des fruits. C'était à 1,50€, il n'y a pas de prix dessus, mais je sais qu'elle l'a pas cru à 1,50€. J'ai retrouvé les pizzas Ristorante. Les pizzas sont vendues presque à 4€ chez Leclerc, et moi je les ai payées 1,39€. 1,39€. Champignons, fromage. C'est bien. Voilà, j'ai retrouvé une bougie. Et celle-ci, c'est la coconut. Un petit clin d'œil à Soumaya, puisque Soumaya a trouvé la petite. Moi, je cherchais les petites, en fait. Je voulais pas les grandes, mais bon. J'ai pas trouvé. La seule que j'ai trouvée qui avait son couvercle, c'était celle-ci. Et c'était une grande à la coco. Donc voilà, c'était pour tester. Et c'est vrai qu'elles sont hyper bonnes. Elles sont vraiment à la coco. Et elle était à 4,99€. C'est-à-dire rien du tout. Pour une bougie de cette taille. Voilà. Allez, en beauté. En beauté, j'ai pris pas mal de choses, donc un petit clin d'œil encore à Soumaya, je te fais de gros gros bisous Soumaya, parce que tu m'as, grâce à ta vidéo, j'ai pu trouver les produits que tu as achetés. Voilà, il y avait des crèmes pour le corps, coconut and cream, crème de noix de coco de la marque I Love, et ça sent hyper bon, mais c'est une, oh là là, je vais la sentir, c'est une tuerie, voilà. Et la texture est juste magnifique, donc nickel. Il y en avait beaucoup, donc n'hésitez pas, Soumaya a fait sa vidéo il y a quelques jours et il y en avait déjà encore beaucoup, donc oui, je pense que vous pouvez les trouver. Pareil, I Love de la strawberry et meat shake. Et ça sent la meat shake. Ah ouais, ça sent vraiment la meat shake. J'ai l'impression d'avoir un meat shake à la fraise de chez McDonald's. Ça va ? Ça sent super bon. Et ça, c'était à 1,99€. Il y avait aussi ces gels douche. Et là, c'est lemon meringue. Et ça sent vraiment la meringue. Ah ouais, non, ça sent hyper bon. C'est hyper bon.